Toi qui jadis avais rendu totalement fou toute une partie du sud-ouest de notre pays et qui à présent a fait propager cette maladie contagieuse et incurable au gré de tes déplacements migratoires. Qui ne connaît pas la fièvre bleue? Bleue comme notre beau ciel, qui après ton départ s'assombrira, laissant place à la pluie et au froid. Comme si par magie c'était toi qui de tes douces plumes lui donnais sa si belle couleur. L'ouverture est là. Je ne verrai sûrement que quelques retardataires, car beaucoup auront déjà pris le départ vers des contrées plus propices à ton métabolisme. Mais qu'importe, tu m'offriras alors ces moments inoubliables, et mis à part quelques vols qui suivront bientôt un autre oiseau que j'aime particulièrement, eh bien je ne peux te dire qu'un grand merci. Et à très vite, douce palombe. Allez, apporte, 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 apporte. Ouais, bien voilà, j'ai pas pu vous filmer quand je vais la chercher, mais beaucoup de végétation, j'ai un peu galéré, mais elle est là, voilà, un joli oiseau comme on les aime, putain ça fait plaisir, allez, un petit bisou, et merci pour tout. Bon, et bien voilà, nous rentrons dans le vif du sujet. L'ouverture est passée. Donc, ouverture compliquée pour ma part. On est allé dans des cultures où il y avait du blé, du pois chiche. Malheureusement, on pensait que les oiseaux continueraient à passer malgré la moisson qui avait déjà été faite. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, elles ne passaient plus, quoi. Elles étaient tirées dans les champs d'à côté où il y avait encore du tronçol sur pied. Et donc elles passaient une par-ci, une par-là, rien de bien concret. Donc à milieu d'après-midi, on essayait de changer d'endroit. Là, très difficile pour filmer parce que les oiseaux, on les voyait arriver au dernier moment. Donc bon, très délicat, j'ai pas pu filmer. Et donc du coup, bon, on en fait quand même quelques-unes. Donc ouverture réussie. Voilà. Maintenant, seconde chose, l'avenir de la chaîne. Donc je vais continuer à faire les vidéos, il n'y a pas de problème. Merci pour ceux qui me soutiennent, qui m'envoient des commentaires. Parce que c'est grâce à vous que j'arrive à voir si les vidéos vous plaisent ou pas. Donc c'est cool, merci. Donc en l'avenir de la chaîne, je continuerai à mettre quelques petits moments. Voilà. Je ne veux pas faire de grosses compilations. De gros moments de chasse, de voilà, beaucoup de scènes, je veux pas. Ça a été fait, refait, re-refait, donc de copier-coller, je veux pas le faire. Donc je vais vous faire comme j'ai pu faire là, sur cette vidéo-là, et à Parole de Sauvaginier, un petit texte qui résume un peu ma manière de voir l'oiseau, de voir ma passion. Voilà. Donc pour les nouveaux arrivants, je vous conseille d'aller voir mes anciennes vidéos. Un peu comment j'aborde le truc, et voilà, je continuerai à faire des vidéos de ce style là. Donc merci parce que on va bientôt atteindre les 100 abonnés, donc ça c'est extra. Je pensais pas en arriver là, même si c'est peu pour comparé à d'autres youtubeurs célèbres, mais bon,
voilà, j'espère que ça continuera comme ça dans cette lancée et que je continuerai à vous faire plaisir. Voilà, bon, donc pas plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à vous encore et encore. Et voilà, et n'hésitez pas à mettre un like ou quoi, en gros, ça me permet de voir quelle vidéo vous plaise ou pas. Voilà. Donc, bah, écoutez, passez une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez les amis, vous êtes au top.